Bonjour à tous, c'est Thomas bienvenue dans de Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Syllabus. Syllabus, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer de 4 à 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Syllabus, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont incarner des animaux astronautes qui malheureusement ont oublié leurs rêves. Mais pour s'en rappeler, eh bien ils vont enfiler leur tenue de cosmonaute et ils vont passer d'image en image guidés par les étoiles pour essayer de le reconstituer. Le but va donc être de se déplacer sur le plateau pour collecter les étoiles de notre couleur afin d'arriver à la case lune. Dès qu'un joueur a réussi à avoir toutes les étoiles de sa couleur et à se rendre sur la case de lune, il a alors gagné la partie. Alors voyons voir comment cela va se passer. Pour mettre le jeu en place, on va commencer par piocher une carte qui est ici qui va nous indiquer comment réaliser cette mise en place. En effet, il va falloir piocher 24 cartes avec des illustrations, rajouter la carte avec la position de la lune et placer ces cartes dans un carré de 5 par 5 en laissant bien la lune à la place indiquée ici. On va ensuite sur chacune des cartes mettre l'étoile de la couleur correspondante et on va également placer les animaux sur leur position de départ. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien la partie va pouvoir commencer. Pendant la partie, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement observer l'illustration de la carte sur laquelle je me trouve et je vais choisir un mot qui est en lien avec cette illustration. Je vais ensuite prononcer ce mot et je vais me déplacer d'une case toujours de façon orthogonale, jamais en diagonale, pour chacune des syllabes du mot. Par exemple, si je choisis le mot dinosaure, je vais pouvoir faire di no -zaure". Je peux à chaque fois changer de direction si je le souhaite. Ici, j'aurais pu choisir un autre mot, par exemple, tyrannosaure. Une fois que je me suis déplacé, eh bien on va regarder la case sur laquelle je suis arrivé. Si cette case comporte une étoile de ma couleur, eh j'ai tout simplement récupéré cette étoile. Si jamais il n'y a pas d'étoile de ma couleur et qu'il y a une étoile de la couleur d'un autre personnage ou bien un autre personnage, alors il ne se passe rien. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va faire exactement la même chose, il va observer sa carte et il va choisir un mot et se déplacer avec le nombre de syllabes de ce mot, par exemple, ours. Cette fois, le joueur est donc arrivé sur une case qui n'avait pas une étoile de sa couleur, il laisse l'étoile là où elle est, son tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Les joueurs vont donc ainsi enchaîner les tours les uns après les autres et petit à petit, les joueurs vont donc collecter les étoiles de leur couleur. Dès qu'un joueur a réussi à avoir les 5 étoiles de sa couleur, il va pouvoir se rendre sur la case de la Lune. Dès qu'il y parvient, eh bien il a alors gagné la partie. Syllabus, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien observer l'image sur laquelle on se trouve pour trouver un mot qui soit en lien avec cette image et qui nous fasse nous déplacer du bon nombre de cases en fonction de son nombre de syllabes. Voilà, vous savez presque tout sur Syllabus. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr